tous et merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin Labour dans cette émission Parole d'artiste pour parler de la musique de La Réunion, plus particulièrement de la musique qui tient nous à cœur, au cœur. Hein, et c'est ce Maloya qui attache à nous, qui veut pas que nous ça va, qui vraiment il prend en nous jusqu'aux tripes, hein, ce Maloya. Et pour ça, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un groupe, hein, il s'appelle Lo Maloya, c'est ça? Lo Gaya, ouais. Comment il est avec qui ça avec nous là, mettre bien le micro bien devant la bouche. Ah, moi c'est Anthony. Anthony, ouais. Après on vient pas tout seul parce que qu'on vient ici, on est là aussi avec vous. Julien. Comment ça va, Julien? Il est là tranquille. Il est là, il est là. Je n'ai pas tout seul encore parce que derrière là-bas, nous avons encore deux autres personnes là, avec Zot Laksei. Rudy avec et Brian. D'accord. Alors voilà. Explique-moi un petit peu, hein, Lo Gaya. C'est quoi Lo Gaya? Lo Gaya, en fin de compte, Lo Gaya, avant c'était Mélance Gaya. Hein? Pour ça que Demouni connaît, ça qui garde, mais je pense que Demouni connaît. Voilà, avant c'était Mélance Gaya, maintenant c'est Lo Gaya. Parce que par rapport, l'équipe là un peu changé. Ouais. Peut-être qu'on est avec le Covid, tout ça a fait l'arrivée. Il arrive pas mal de choses. Donc c'est un nouveau concept que m'a mis en passe avec mon dalon, mon frérot, on va dire, Julien. Alice et Racine Kaf Maloya. Donc nous l'a fait comme des gens de fusion. Mm-hmm. Voilà, il a donné à moi la main pour me dire à monter la route Maloya. Mm-hmm. Ben nous l'a fait, voilà, nous ça découvre un petit affaire ensemble, nous l'a fait un clip ensemble, nous l'a fait un nouveau son ensemble. Mm-hmm. Il appelle Sommet Bénédiction. D'accord. Dans un instant, on va voir ça la mienne avant, même ça on écoute Julien parce que Julien ben peut là, tant de moi là ce groupe là sort tout ça, à quel endroit ils sortent ça. Mais dis-moi, connais pas encore, mais ça connaît dans un petit instant. Ah, nous sort dans les semaines. Ben Rapanon pour Lo Gaya, pour Anthony, il y a moins Baratel, c'est Suzanne. D'accord, donc il y a vraiment un groupe de l'Est. Alors, est-ce que l'Est est vraiment ancré dans le Maloya comme ça? Pour moi, oui. Pour vous, oui. Ouais. Ça fait longtemps que je chante, on a des clips aussi. Là, tu es chez nous, hein, dis-moi tout à l'heure. Hein. Voilà, hein. Donc le Maloya a toujours été dans l'autre, gravé dans l'autre ADN presque toujours à la limite. Hein. Ouais. Et Lo Gaya, donc ce nouveau concept que vous allez mettre en place ces derniers temps-là pour faire redynamiser le Maloya ici, pour faire connaître ce Maloya-là, ouais. Mais un petit peu le Maloya de Zot Maloya à Zot, puisque Zot a des créations, Zot a des morceaux, tout sûr. Ça, mais aussi pour un petit reflet sur ce qui existe. Voilà. Hein, et ça nous voit un petit peu dans Zot morceau, ça. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, le morceau qui vient après là, en fait, le morceau-là, on a décidé d'appeler Sommet Bénédiction, parce que par rapport. Le morceau Ndala me demande la lumière en fin de compte. Il me demande la lumière parce qu'avec le Covid, tout cela, on était bon pied dans le fait noir. Mais là, décide de demander la lumière avec ça que la finale, ça qui veille chez nous, on va dire. Mm-hmm. Parce que le Maloya, il parle aussi des ancêtres, d'un côté ancestral d'hier. Et que, ben voilà, l'Ndala me parle de lumière, il me demande pas bon pied. Il me demande juste la lumière, bon pied la santé, pour que demain matin, ça va. D'accord. Donc, le Maloya, c'est un petit peu comme une prière. Voilà. Ah, ben c'est beaucoup. C'est plus qu'une prière. C'est quelque chose de, voilà, Maloya, pour moi, c'est mon ressenti. C'est ça que m'y vive, c'est ça que m'y ressent tous les jours, en fin de compte. D'accord. Voilà. On a quelqu'un qui dit, je vois que chanter, c'est prier deux fois. Donc, quand on chante du Maloya sous forme d'une prière comme ça, ben, il paraît qu'il s'en plus vite. Voilà. Hein, ça, on ne nous connaît pas, mais il s'en va en tout cas plus vite. Quand tes éveils, il arrive vite fait là-haut, mais ne connaît pas, mais voilà, en communication, je veux bien. En communication, voilà. Hein, d'accord. Hein. Alors, ce type de Maloya, c'est quoi? C'est une Maloya traditionnelle? Oui, oui, là-dessus même, nous. Là, tu m'aimes ? Traditionnel, vraiment ? Ouais. Hein? En tout cas, pour ma part, oui. Hein. Ouais. Après, Ali... non, parce que après, là, c'est un groupe, là. Hein, si, là, mais pense que la pointe à Ali, la pointe à Oul, c'est un groupe, parce que nous avons aussi d'autres personnes de notre côté. Et là-bas, ce groupe-là qui appelle Lo Gaya, là, c'est... Là, c'est un petit peu... On sent très chaud. Oui. M'y comprends. Mais quand même, c'est un ensemble. Si, c'est un ensemble. C'est un ensemble, parce que... Voilà, sans les amis, sans les musiciens, nous, la pointe groupe, si ça te veut bien, moi. Et voilà, Lo Gaya, c'est l'équipe, mais nous les traditionnels, mais comme il dit, mais les pas, mais ça pas dit qu'il a mais on n'a pas besoin, nous les pas vieux, nous les pas vieux, et c'est à dire, il reste au côté Maloya traditionnel, mais il est obligé, voilà, parce que il tient à dire aussi que il a un EP, il est bientôt disponible. C'est bon, dire combien de titres? 5 titres, d'accord. Un EP que là, tu en fin de compte, on aura 3 morceaux traditionnels. Et on aura 2 morceaux world, c'est-à-dire 2 morceaux qui malamaye un peu ça que j'aime bien, c'est-à-dire mille jeunes, mais ramène le petit côté comme un peu influence afro dance,
Et l'afro dance pour que comment ben avec quel type de musique à l'arrière? Musique africaine. Ouais, ouais. Musique africaine parce que non comme parle de musique à l'arrière, des instruments à l'arrière. Les instruments en fin de compte on a des dooms. Et après, on a aussi un petit guitare. Ah, une petite guitare soliste. D'une façon africaine. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Un peu acoustique peut-être. Voilà, un peu acoustique. D'accord. Et pour donner les vibrations d'une autre couleur, ils permettent aussi la jeunesse comme à nous. Des gains amusent plus que rien que dans ce Maloya. Les belles. Mais les poussins, parce que ben, me fait Maloya. Mais les poussins, mais faut ramener, me dirait dans le Maloya, faut ramener une autre couleur aussi. D'accord. Mais tout en gardant son aspect traditionnel, mais de rajouter des trois épices dedans pour que si bon Dieu a pitié pour que ben il gagne des collins coup fait des coups ça ailleurs d'accord voilà. Donc on est plus pour colorer un petit peu oui, Maloya bien sûr voilà, avec d'autres influences ou les plus pour une world music ouais. Et c'est pour ça par laquelle aussi que de mon biais personnel que il est au conservatoire aussi et big up s'il y a deux monde du conservatoire et voit moins D'accord. Alors, quel conservatoire? Ramon Lélé. Saint-Benoît. D'accord. Voilà. Ok, alors, il nous passe le rond-point de Saint-Benoît, nous monte à la plaine des Palmistes, là-haut, nous tourne à droite et nous arrive tout de suite là-bas au conservatoire de Ramon Lélé. Hein, c'est donc, ça. Hein? C'est ça. Hein? Alors, Julien, Oud Maloyard, Aou, c'est un Maloyard un petit peu fusionnel avec le Maloyard de. Zot Maloyard? Oui. Fusionnel, de son à nous. La base, c'est traditionnel de toute façon. Ça, c'est la base. Ouais. Et après, ben, Ali, comme lui, c'est un peu sur le côté world, comme lui vient de dire. Il va rajouter son petit épice à lui. Mm-hmm. Mais Maloya aura toujours cette base-là. Enfin. D'accord. Hein. Nous va écouter tout de suite un morceau. Parce que nous, on enlève la table là. Nous, on a deux d'allons à à côté. Là, on va venir rejoindre Zot avec un morceau à l'arc. Vous avez mélangé un petit peu de la musique traditionnelle, du Maloya traditionnel, hein, et avec un petit peu Zot bonne composition, c'est ça? Voilà. Hein? En fin de compte, c'est mon bonne composition, mais même. Sauf que dans le morceau-là, il y en a deux couplets, les à moins. Et le refrain, me dirait, voilà, me va dire, ok, les bonnes gaillards là, c'est-à-dire, ça, c'est une reprise de cabaret, me dit bien, ça n'est pas ta moins. C'est une reprise de cabaret que Mala décide de mettre Ali en avant parce que, depuis là, 10 ans, j'étais santé cabaret dans le fait noir, comme il dit, santé cabaret. Il m'a toujours senti, ben, connaît cabaret comment il est, pour ça qu'il garde, il connaît. 6h. Grand matin jusqu'à 6h, lendemain matin. Ouais. Donc, Andala m'a décidé de mettre ça au Kile Bon Gaya là, c'est-à-dire au Kile Bon Zaboutan là, comme il dit, ça tient beau Maloya là, pour que demain matin Maloya ne paye pas. C'est pour ça qu'on va mettre ça. Et avec respect. D'accord, nous allons écouter ça tout de suite, c'est bon? Correct. Hein? Et après, nous revient après, ça va pas se rester même, parce que dans un instant, nous revient. Hein? Allez, correct. Cinq malades demandés à soi là, oui prothèse à moi, donne à moi la lumière à soi là. Mais t'en dis à sept pour combien mal nous casser, cinq malades demandés à soi là, oui prothèse à moi, donne à moi la lumière à soi là. Oh oui prothèse à nous mal casser. Prothèse à moi, donne à moi la lumière à soi là. Oh oui, prothèse à nous mal cassé. Oui, prothèse à moi mon corps. Amis tout le monde pas bon pété. Oui, à moi ça va mal au yaté. Amis tout le monde pas bon pété grand père. Amis tout le monde pas bon pété grand père. Oui, à moi ça va mal au yaté. Monte à moi, banou gaïa là.
c'est mon grand méritier. Merci, Bompé. Ben nous revoilà ici même à Bassin Labo pour parler du Maloya, pour parler de Maloya banan, hein, le gaillard. Alors qui c'est les gaillards là, là, hein, parce tout que depuis tout à l'heure, on entend les gaillards, mais bon. Gaillard, c'est quoi, le Maloya ou bien le ben, groupe ou bien sinon le leader ah, ou bien, non, hein, qui c'est les gaillards là? Le gaillard, en fin de compte, m'a décidé de mettre le gaillard parce que c'est l'équipe les gaillards parce que. Souvent, des fois, quand il arrive le samedi, même quand on a des prestations à faire, les gaillards qu'on nous retrouve à nous, hein, mm-hmm. parce qu'elle est belle, parce que chacun est dans son vie de famille, et quand on nous retrouve à nous, hein, surtout Julien, tout ça là, même les restes des hier, c'est des gars qui nous l'a connu à nous, Marconi Banaba. C'est moi le plus vieux. Parce que ça, tu vois. On l'a dit tout à l'heure, tu portes l'âge. Hein, voilà, c'est moi le plus vieux. Hein. Bon. Mais voilà, c'est des gars qui m'ont connu, eux autres, beaucoup plus jeunes. Uh-huh. Et qu'on nous retrouve à nous dans Maloya, nous retrouve à nous dans un partage. Et ben, les gaillards, même. C'est pour ça qu'ils appellent le gaillard. D'accord. Le gaillard. Hein, le gaillard qui fait du Maloya, mais qui ne fait pas que du Maloya. Est-ce que dans ce groupe-là, vous avez fait autre chose que du Maloya? Parce que tout à l'heure, moi, comme ça, dans un EP qui va sortir bientôt, on aura autre chose hein, dedans. Hein, mais est-ce que ce groupe-là fait aussi autre chose que du Maloya? Julien, oui. Non, mais il n'a pas fait autre chose que Maloya. Il n'a pas fait autre chose que Maloya. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est le Maloya. Hein. Voilà. Alors, le Maloya était un groupe ou bien le Maloya, c'est vraiment autre groupe à où seulement? Le Gaïa, en fin de compte. Le Gaïa, par exemple. Pas le Maloya, le Gaïa. Le Gaïa, en fin de compte, c'est mon groupe même. Parce que. Mais je ne dirais pas. Mais il pas dit c'est mon groupe parce que si Bana le parle des yeux, il ne fonctionne pas très bien. Donc, je dirais que c'est à nous même en fin de compte. Ouais. C'est à nous même le Gaïa. Parce que, comme mais lorsqu'on fait un EP avec deux morceaux, il m'a bien retenu, qui est un petit peu de la musique, un petit peu de l'afro. Oui. Hein, oui. Voilà, avec ce même groupe-là, ou bien sinon on a d'autres artistes, d'autres musiciens qui viennent accompagner à eux. Mais mettre une petite parenthèse, au fait, dessus le EP, en fin de compte, si vous voulez bien. Mais il y a déjà un album qui est déjà enregistré dans 11 sites. Mais moi, je décide de réduire ça parce que par rapport. Et c'était un travail aussi avec d'autres gars qui étaient là, qui la donnent la main aussi dedans. Et je la sélectionne parmi les 11, je sélectionne 5 titres pour pouvoir sortir, pour pouvoir. Mais on connaît qu'on peut mettre 11 et 5, c'est pareil, hein, parce que dans un album, hein, c'est-à-dire un disque en vinyle, là, il rentre jusqu'à 18 morceaux dedans, s'il ne dure pas 4 minutes chaque morceau, parce que même nous connaît que le Maloya, il dure beaucoup plus que ça. Hein? Non, mais on a décidé de mettre 5 parce que par rapport. Mal regarde la tendance, parce que quand on avait le Covid, ça là, mal analysé, parce que m'enregistre ça avant on avait le Covid. Ouais. Chez Studio, Family Studio d'ailleurs, Big Up, Cédric Boyer, Gata. On enregistre ça, les 11 titres, les là, mais on la sélectionne 5 titres. Et il y en a encore des yums. Il va pour l'instant donner 5 titres là parce que par rapport. Il tient moins vraiment au cœur parce que, à moi, c'est depuis 2011 quand même que il est sur la route du Maloya, depuis 2011. Et avec, on avait aussi une autre équipe. Longtemps, première équipe s'appelle Génération Kaba. Il y en a aussi une petite vidéo qui est dessus YouTube. C'est pour dire que, voilà, depuis 2011, que je débat dans Maloya, si vous voulez bien. À droite, à gauche, finzo, un peu partout sur l'île de la Réunion. Et m'avait toujours rêvé de faire un album. Et là, la chose l'a concrétisé au biais de Julien, tout ça. Julien ne me dirait pas qu'il est nouveau, parce que depuis longtemps, même, il a toujours été là, il était venu à moi en tant qu'il était plus jeune. Nous l'avions notre petit groupe à nous depuis un temps avant. Et c'est petit à petit, il a fait son vie, m'a fait le mien. Et après, au fil du temps, nous la retrouvons nous comme ça. Ben, moi, on a vu aussi qu'il a fait son petit affaire dans Maloya, ben, t'es belle, me la rencontre ça, me l'a écouté, t'es Gaïa, ben, nous la décide de faire un concept ensemble et d'essayer vivre ça ensemble. D'accord, alors voilà. un morceau là, que ça fait tout de suite là pour nous, un morceau issu d'autres bandes ou EP ou bien sinon en dehors si, de cette EP là. Si, ça c'est un morceau les dessus mon EP même, que on aura l'occasion d'écouter et voilà, sera DOS même. D'accord, comment appelle le morceau et, oui, ah oui. Voilà, en fin de compte, en fin de compte, si ça te veut bien, Talala, en fin de compte, nous l'a trompé. Oui. Talala, en fin de compte, ça que nous a fait, c'était le premier. Et ça que nous l'a parlé, Talala, c'était le deuxième. Sur même édiction, c'était le deuxième. D'accord. Et Talala nous l'a fait. Oui, ah oui. Oui, ah oui. Mon. D'accord, les bons. Voilà. Ok, alors. Donc, voilà, oui, ah oui, mon Calbanon. Et c'est un morceau qui est déjà sorti dessus YouTube.
c'est Calbanon. Oui, il y a un clip déjà alors. Voilà, on a déjà un clip ça. Depuis 2015, en fin de compte, il avait un prix à Brapanon, un concours de jeunes talents organisé par la mission locale de Brapanon, de l'Est. Et nous la remportons ce prix-là. Et nous la enregistrons le son chez Cap Prod. Par le biais du parrain du Maloya, Nono Kiltier, big up aussi, Nono Kiltier, Gata. Big up, c'est l'un des parrains qui la parraine à nous le jour-là. La PM est à nous d'enregistrer ce premier titre-là, Calbanon, oui, à Wemomo, dessus YouTube. Et actuellement, ben, Litou et moi-même, de Mounia Prisiali. Et voilà, nous, m'a la remettre ça aussi dessus le EP. D'accord, mais bon, nous ça va tout de suite, ce morceau-là. Hein? Comment il appelle? Et Calbanon. 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 Mais bon, alors Richard m'y croit que Léa, la régie là-bas, tout est calé pour ce morceau-là. Nous, ça va tout de suite. Et après, nous revient après pour finaliser cette émission de musique tournée autour du Maloya ce soir ici à Bassin-Labour. Allez, à tout de suite. Carbano. Wete we awe momo, mwen lene dan nou Maloya. Si awe papa, amwen la dan nou kabare. Si awe momo, mwen lene dan nou Maloya. Si awe papa, oh nasyon dan nou kabare. Si awe momo, mwen lene dan nou Maloya. Si awe papa, wete mon nasyon dan nou kabare. Si awe momo, hiba. Si awe papa, si awe momo. Ma veri a ou mon bonde, ma veri a ou razana, ma veri a ou jusqu'à moi non kokouras. Diba! Oh, ma veri a ou mon bonde, ma veri a ou razana, ma veri a ou jusqu'à moi non kokouras. Là-bas, moi, l'aîné. Là-bas, moi, l'aîné.
Oh là-bas nous l'aîné. À là-bas moi l'aîné. Oh là-bas nous l'aîné. À là-bas moi l'aîné. Où ça ça? Qui côté ça? Eh ben. Qui ça? What day we are we, maman? Moi l'aîné dans nous maloya. Dos. Et ben nous revoilà ici même avec Julien. Julien. Julien, et puis avec Anthony. Anthony Logaya. Logaya. Logaya avec nous ici, là, avec des EP que nous avons vus. Mais c'est quoi l'avenir de ce groupe-là? Parce que c'est un groupe qui est presque nouveau. Parce que, voilà. Dire, cette composition, parce que ben, Julien, là, Anthony, mais il y a d'autres personnes aussi. Là, c'est un groupe qui a été nouvellement constitué, ça, ou bien sinon, c'est un bon dallon depuis longtemps, avec. En fin de compte, c'est me dirait que c'est bon dallon qui est depuis longtemps là ensemble, mais sauf que voilà, Dan Maloya là, comme il dit, un peu comme toute musique, n'a des hauts, n'a des bas, mais l'important c'est d'être là, de croire en ce que nous fait et de croire en ce que nous l'a envie de vivre, ça devait bien. Et ben voilà, me dirait que c'est un nouveau concept, c'est un nouveau équipe. Un nouveau départ, on va dire. D'accord, un nouveau départ. Hein. Voilà. On a l'impression que le Maloya est un petit peu en perdition. Ou bien sinon, avec Zot, le Maloya a toutes ses lettres de noblesse, comme il appelle ça. Mais je dirais que le Maloya n'est pas... Il retrouve ses lettres de noblesse. Nous retrouve Ali, parce qu'avant, tu es un peu plus, tu parles moins. Aujourd'hui, il me trouve qu'il parle un petit peu plus, mais il manque encore. Hein. Tant que, surtout pour Maloya, tant que tu as pour mettre... Mais t'as lui-même, elle est belle parce que voilà, Maloya c'est une grande histoire. Maloya, comme il dit, Maloya c'est pas rien qu'à moi, c'est la voix de tout un peuple. C'est pas rien qu'à moi, c'est le cri. Parfois il peut être pour certaines personnes, il peut être un hommage, il peut être le cri de détresse d'une personne, il peut être la souffrance, il peut être tout. L'expression Maloya, si je ne me trompe pas, Maloy c'est de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Pourtant, le Maloya, là, actuellement, il est reconnu par l'UNESCO. Hein, ouais. Comme ça, ils ont l'impression qu'il est vraiment reconnu. Ou bien, sinon, actuellement, la mettre ça il y a quelques années de cela. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Ah, même, ils pensent que l'UNESCO, là, ça ne sert pas rien. Mais si nous, derrière, nous tient un beau palier, n'a pas réellement de changement. Enfin, c'est nous, en tant qu'artiste Maloya, il faut. Nous l'obliger de continuer Tiens beau. Et il faut la jeunesse derrière vient, il faut nous continuer Tiens beau. Parce que être de l'UNESCO, oui. Mais s'il n'a pas les artistes Maloya derrière, ben. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et puis, cette génération-là aussi, il faut que l'INA, cette formation qu'il faut pour que l'I puisse faire perdurer cette musique-là. Et bien, ça, c'est avec Zot. Hein, c'est cette nouvelle génération-là, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à moi, je dirais que. Voilà. À moi, en tant que jeune artiste, je dirais que Maloya, en fin de compte, là, comme Zot connaît Maloya, c'est une musique, il n'est pas pareil que Densol. C'est pour ça que de monde va regarder, moi, va dire, ben, on ne dirait pas sur le gars, il sent Maloya. Mais non, en fin de compte, je choisi Maloya, souvez bien là, parce que. Et puis, je n'ai pas choisi lui, mais il est là-dedans depuis petit mamaï. Depuis là, j'ai 10 ans, même je dirais plus bas encore. Parce qu'il est carrément mêlé là-dedans. Et dans ma famille aussi, là, après grand monde, la fait du Maloya dans ma famille. Il n'y a rien qu'un tonton, un vieux tonton qui t'appelle les Jean-Marc Mala du groupe Étincelle Panonaise de Brapanon. Il fait la danse folklorique. Yeah. Et paix à son âme, il est décédé. Que ses enfants l'ont repris. Ça, il tombe à moi en famille parce que, ben voilà, Jean-Marc Mala, à moi c'est Anthony Mala. Et ben voilà. Je dirais que je sortais un peu dans la souche là, mais dans une autre branche différente. Mais je la sauvegarde quand même, le Maloya. Quelque part, Nena, ses enfants aussi, ils perpétuent toujours son Maloya. Il y a moins les autres cousins, même. Mais je dirais qu'ils sortent dans la même, parce qu'ils sortent dans le même quartier. Mais les rivières du Mar, m'a grandi, m'a fait mon enfance là-bas. Et en route, nous la vivons, nous la racontons, nos histoires, comme m'a dit aussi dans les précédents morceaux.
Andala n'a que du vrai, en fait. D'accord. Okay. En tout cas, du vécu. En tout cas, on était content d'avoir Azote à soir ici à Bassin-Labour. On était content de rencontrer un petit peu ce groupe-là, cette formation-là. Et puis d'avoir Anthony aussi avec nous, qui est quand même le leader de cette formation-là. Et on espère qu'avec Azote, le Maloya va perdurer encore. Nous finissons cette émission-là avec un clip. Un clip. Correct. Le clip, garde ça, mon bon. Semaine bénédiction. Vient d'arriver, comme on avait dit, sur les réseaux sociaux, très résistant aussi. Hein. Obligé, il fait promotion un peu. Et sous ma bénédiction, le clip a été réalisé par GDN Productions. Et le son a été fait par Hulk Record, à Sainte-Suzanne, mais même Big Up Hulk Record. Et le son, les gars, me laisse les autres découvrir ça, mon bon. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Hein. N'oublie pas de d'annoncer avec nous, avec qui ça? Merci, elle avait Rudy. Oui. Et Lena Brian. Les bon. Ok alors, hein, banal à côté là. Et big up aussi, un petit big up aussi aux deux choristes qui la participent sur le son là. C'est ses deux sœurs, Lynn et Anne Gallet. D'accord, merci bien. Big up. Merci beaucoup. Merci. Et bon, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Mais en 10 ans, c'est mon premier maliga, c'est ça que m'a la demandé à soi là. Qui protège à moi, donne à moi la lumière à soi là. Oh, qui protège à nous mal gassé. Donne à moi la lumière. Qui protège à moi encore. Donne à moi la lumière. La vie commande pas bon péter. Donne à moi la lumière. À moi, ça va mal au yaté. Donne à moi la lumière. La vie commande pas bon péter. Donne à moi la lumière. La vie commande pas bon péter. Donne-moi la lumière.
Merci maman, merci papa, merci grand-mère, grand-père. Merci.